Jonathan Orton. Les États-Unis. 21 ans. Parallèle. C'est le plus jeune de cette équipe. Jonathan Orton, qui est texan. Et il appartient à l'université d'Oklahoma, entraîné par Mark Williams. Il commence son mouvement donc avec un saltant en dessous, demi-tour, avec une petite reprise. Et le soleil double arrière, corps carpé, rattrapé à l'appui brachial. Saltant en dessous. Et le soleil, beaucoup d'amplitude. Et le soleil double groupé. Beaucoup de difficultés en début de mouvement. On peut voir le travail au-dessus de la barre avec le Diamidov. Le demi-tour. La pompe Takai. Et là, une sortie avec une belle réception. C'est un beau mouvement qu'il nous a présenté. Il est content, il le sait. Oui, oui, elle est forte cette équipe des États-Unis. Même s'il y a pas mal de jeunes éléments, de nouveaux éléments. C'est vrai que c'est une gym un petit peu d'ailleurs à l'image de la gym féminine américaine, où il y a quand même un fort réservoir, beaucoup de concurrence. On parlait de la gym universitaire, hein, elle est très, très importante aux États-Unis, hein, comme un peu tout le sport universitaire. Mais c'est vrai que les grandes universités ont également leur équipe de gym, hein, comme elles ont leur équipe de foot ou leur équipe de tennis, quoi, de tous les sports, à vrai dire. Et on le sait, hein, c'est très important aux États-Unis, ce sport universitaire. Petit déséquilibre là, qu'on revoit à l'enfant.